Avec le temps plus froid, c'est le retour des virus et à l'approche du temps des fêtes, là, la grippe, la COVID font un retour en force. Philippe, il reste encore de la place là, pour se faire vacciner. Oui, je me retrouve à la clinique de vaccination Chauveau. Et ce matin, il y avait quelques résidents qui sont venus chercher justement leurs deux doses de vaccin, soit celle contre la COVID-19 et contre l'influenza. Mais vous le voyez autour de moi, il y a une petite accalmie là, pendant l'heure du dîner. Ça vous montre qu'il reste de la place justement dans les cliniques de vaccination et dans les pharmacies du Québec. Je suis avec la directrice des services multidisciplinaires du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Comment ça se passe, la campagne de vaccination? Ça va bien. Les gens sont présents, mais il reste encore beaucoup de place, comme vous venez de le nommer. C'est important. C'est encore plus important cette année, la vaccination, parce qu'on a comme un peu un mélange de plusieurs virus. Exactement. Donc, encore cette année, on vit les trois virus en même temps. Donc, le VRS, l'influenza et la COVID sont présents et en augmentation avec la période des fêtes, avec l'augmentation des contacts. On voit vraiment une pression sur les urgences qui se pointent à l'horizon. On parle souvent que c'est important pour la clientèle vulnérable. Clientèle vulnérable, c'est les personnes âgées, les femmes enceintes, ceux qui ont des maladies chroniques. Mais les vaccins sont offerts aux autres tranches de la population. Exactement. Le vaccin est offert gratuitement à tout le monde. Donc, vraiment, pour protéger vos proches, vous le faites d'abord pour vous protéger, mais vous le faites aussi pour éviter les chaînes de transmission durant le temps des fêtes. Donc, c'est un cadeau pour vous, mais aussi pour vos proches qui est temps de faire maintenant. Et justement, en parlant de cadeaux, vous voyez là autour, il y a de la place, ça ne prend pas beaucoup de temps, là, justement, à se faire vacciner. Non, c'est vraiment une trajectoire qui se fait aussi vite qu'avant. Donc, en une demi-heure, entrée-sortie, c'est encore possible. Il faut prendre rendez-vous sur Clic Santé, par contre. Donc, vous l'avez entendu, là, c'est très important, justement, de se faire vacciner cette année parce qu'on a trois virus qui circulent, celui de la COVID-19, celui de l'influenza, où il y a la tranche du H1N1 qui est très forte cette année. Donc, résultat, l'influenza va peut-être avoir des symptômes un peu plus forts là, si vous attraper ce virus et un autre virus qui attaque justement les voies respiratoires. Donc, vous comprendrez que cette année, c'est encore plus important justement parce qu'on a ce cocktail de virus qui circule à l'approche des fêtes et habituellement, justement, dans les prochains jours, on devrait avoir une recrudescence des cas. Merci beaucoup, Philippe.